Paris Muguet. Qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? On va au Muguet. On part avec la fameuse Acadiane. Non, pas Acadiane, là. C'est Acadiane. La camionnette. Ouais. C'était avec nous. C'est René qui conduisait, là. Pas moi. Et il dit, bon, ben, on va aller au Muguet, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il ne faut pas qu'on fasse voir qu'on était au Muguet. Alors, on ramasse une branche morte qu'on met dans la camionnette et qu'on laisse bien dépasser. Et on arrive à Carrefour, on voit le garde, donc il venait voir son allée au Muguet. Au bon moment où lui, il allait aller tout droit, René, hop dans la... Ah ben bravo. On a bifurqué dans la rue. Le garde, il en est resté tout. Oh, l'ambiance, on ne se souvient plus du coup du Muguet. Ah bon, je me souviens des coucous. Attends, c'est pas interdit de ramasser le muguet, c'est beau ça. Ah, si, dans les chasses gardées. Dans les chasses, oui. Ah, dans les chasses gardées. Même le premier. Ils s'en foutent du muguet, est-ce qu'ils veulent ce gibier? Oui, mais on dérange. On dérange le gibier. S'il y a des couvées, s'il y a des trucs comme ça, ouais, on passe la loi. Il y a des vélos là. Toujours pareil. Il y en a qui sont déjà passés en faisant du vélo. Par contre, quand le sanglier traverse sur la route, ça ne les dérange pas. C'est autorisé ça. C'est les trucs qu'on collait. Et non, les trucs d'Aladin qu'on collait là, même il y avait des stickers. C'était bien ça, à chaque fois 4 heures. J'allais à Provins. Et on mangeait du pain avec du chocolat, avec du beurre. Je Et quand t'avais fait le gâteau à la tomate sauce. Ça, c'était mémorable. Parce qu'ils aimaient faire des gâteaux. Un gâteau chacun. Il fallait en faire 3 gâteaux. Chacun avait son saladier. Alors on faisait chacun 3 gâteaux. Je les vois encore dans la cuisine, sur le, devant l'évier, là. Jojo, chacun, il y avait 3 saladiers. C'est le pied, c'est pas alors on commence à mettre le yaourt. C'est ce que c'est, un yaourt. Oui, 2 yaourts de sucre, 3 yaourts de farine, 2 œufs. On mélange tout ça. Puis j'ai, qu'est-ce que vous voulez dans quelque chose, des fruits? Oh, ben, j'ai oui, dans le congélateur, il y a des fraises, il y a des cerises, il y a des prunes. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, lui, les prunes, moi, les alors, fraises, et puis Loïse, vous voulez des cerises? J'ai pas de problème. Je cherche mes sacs. Vous avez dit où c'était en famille? Non, j'ai rien contrôlé. Je vais regarder ça comme ça. Bon, allez, chacun son sac. On cuit les gâteaux. On arrive à table, on commence à ouvrir les gâteaux. Je vois encore les yeux d'Héloïse. Mais le mari, qu'est-ce que t'as fait? J'avais mis des tomates cerises. J'étais distraite. J'aurais vu ses yeux. S'ils avaient pu me envoyer des flèches. Ça aurait été des épées, c'était mort. Ah oui, non, si. Quand il y en avait un qui était malade, bizarrement, les 3, ils étaient malades en même temps. On faisait exprès qu'on avait de la fièvre. Je me souviens, un truc comme ça. Voilà. Pour qu'on ait résisté, il fallait une bonne santé quand même. Hein. Et c'était Anne qui devait nous rendre la température, je crois. Ah bon, vous mettez tous sur le canapé dans la salle de Lego, là. Je vais arriver à nous prendre. Si, si, un soir, quand même, à Noël, on était descendus pour voir c'était qui mettait les cadeaux. Bon. On avait fait ça. Vous aviez vu par Noël? Ah non, on avait vu que tout le monde, les cadeaux étaient déjà là, mais on n'avait pas su. On a eu la neige, le froid et tout. Non, mais une fois, on avait compris quand même. Vous aviez raté longtemps. Il était plus de minuit, on vous entendait encore en bas. Mais c'est quand même bizarre parce que ils sont allés se coucher alors qu'il y a Père Noël qui tout le temps. Ils sont fatigués, ils ne sont pas couchés. C'était bien quand même à la femme. Ah bah vous avez quand il y avait la neige là, avec la luge. Et hop là, ouais, là il y avait tout tombé. On avait la luge dans la rue des Patouillards. Oui, c'est vrai. Même des fonds le dos. Ah oui. Ah c'est toujours ça. Voilà. Ça glissouille. Qu'est-ce que je fais? C'était bien quoi.